sont même départ. Là, si je viens avec ma bras étiré, il va falloir que j'enclenche celle qui est derrière. Okay. Si évidemment je vais venir avec celle-ci, je vais venir avec ceci. Par rapport à ce positionnement de main, les techniques vont différer. Vous notez bien que lorsque je suis ici, ça va être compliqué d'aller par la main. Je vais plutôt partir dans l'autre sens. En revanche, si j'ai fait ceci, là, ça va être plus simple. Je vais pouvoir venir nous ce qu'on a fait samedi, je vais pouvoir venir ici. Okay. Donc là, on définit les mains. Toujours pareil, on va chercher celle qui est en retrait, sauf que cette fois-ci, par rapport à la main de saisie, vous choisissez votre main d'accroche. Si je viens à droite, je viens forcément à gauche. Okay. Et je viens pas juste de face, je commence à tourner sur le coude. Et je saisis au-dessus du coude. Je ne viens pas saisir la lombaire, ça ne sert strictement à rien. Je ne viens pas saisir juste le biceps, ça ne sert strictement à rien, parce que l'intérêt étant de venir. Pour l'articulaire, là, je peux le pousser, je peux faire quelque chose, essayer d'enlever ton bras. Là, je suis en contrôle, je suis efficace. Ok ? Donc, tac. Sinon, je viens de poser. Même chose, je viens chercher juste au-dessus. Ok ? Allez, c'est parti. Pour ceux qui étaient présents en tout cas, sauf que là, cette fois-ci, c'est le même travail, mais sans la veste. C'est-à-dire qu'en fait, on venait faire ceci. Autant pour moi, pour l'enclencher. On inverse, là depuis tout à l'heure je vous demandais de faire ceci, ceci. Là en l'occurrence on va changer de garde, c'est-à-dire qu'on va venir là et on va venir ici. Ok ? Là je change en contrôle. Et à partir de là, ben, je vais me décaler et d'un coup je vais tomber. Je remonte. Je suis ici. En lutte ça s'appelle bras à la volée. Tout simplement, en judo il donne ici et j'enclenche. Je peux rentrer en direct, je vais venir me jeter et projeter. Vous doutez bien que lorsque vous êtes ici, il ne va pas vous attendre. Il va faire quoi? Il va reculer. Il va essayer de s'écarter, de retirer cet élément parce qu'il est en gêne. Donc à partir de là, ben, je vais anticiper ça. C'est-à-dire qu'au moment, avant qu'il recule, je vais aller bousculer sa cuisse. Vous vous souvenez, je vais venir faire travailler la cuisse. Percuter la cuisse, ça arrive à son action. Je viens percuter la cuisse, je vais me jeter et je vais projeter. Je suis ici, je saisis, j'enclenche, saisis, j'enclenche, je percute la cuisse, je me jette, et je projette. Ok pour vous ? Redétaille. 1, 2, 3 avec la jambe. 1, 2, 3 avec la jambe. Je me jette. Je lâche pas mon contrôle, je regarde devant. Si je vais choper le bras, éventuellement je vais le choper. Je reviens dans les jambes, je pousse. Et je viens faire ceci. Okay. Allez, on essaie.